Nous poursuivons avec Pangolin. Voilà l'entreprise Pangolin qui est avec nous. Bonsoir mesdames et messieurs, illustres invités. Bonsoir le directeur général de l'Étatique École supérieure africaine d'éthique. Bonsoir FITU 4. Nous, c'est la société Pangolin. Pangolin, c'est une société française qui est spécialisée dans la fabrication d'accessoires de téléphone et de téléphone. Et nous sommes sur le marché ivoirien depuis bientôt un an, 5 mois. Et l'activité commerciale a proprement commencé depuis maintenant 5 mois. Nous sommes venus sur le marché ivoirien parce que nous avons eu un constat. Le constat, il est quoi? C'est que dans ce qui est du marché de l'accessoire, il n'y a pas de la qualité et les Ivoiriens et le consommateur surtout n'ont pas la possibilité d'avoir des accessoires de très bonne qualité. Et c'est dans cette brèche-là que Pangolin vient s'inscrire en vous offrant des équipements d'accessoires de téléphone de très haute qualité et de haute gamme. Et comme vous l'avez constaté à l'entrée, nous avons exposé quelques-uns de nos produits et en tête de liste, nous avons nos chargeurs. Aujourd'hui, toute personne a au moins un téléphone Android, au moins un téléphone de marque iPhone. Et souvent, pour les pièces de rechange, c'est tout un problème pour avoir ces pièces-là sur le marché. Et nous vous proposons ici des chargeurs de très bonne qualité, des chargeurs avec lesquels vous pouvez faire plusieurs années, plusieurs temps, de très bonne qualité avec de la garantie là-dessus. Et véritablement, nous vous incitons à commencer à consommer Pangolin. Parce que nous sommes venus pour nous inscrire dans la durabilité. En plus de la accessoire, nous allons aussi venir avec une marque de téléphone du nom de Dune Mobile. Et c'est quasiment français-ivoirien. Et nous vous incitons véritablement à consommer la qualité parce que c'est garanti. En ce qui concerne le concours d'art oratoire, véritablement, nous sommes très heureux d'accompagner cet événement parce que c'est un événement qui distingue aussi l'éloquence dans tout ce que nous faisons. Et c'est très important quand on est éloquent, parce que l'éloquence aussi caractérise la qualité des travailleurs. Et ce concours d'art oratoire, véritablement depuis l'édition de l'année dernière, nous avons véritablement vu de très bons talents, de très bonnes qualités que les personnes ont développées. Et véritablement, nous vous incitons, vous qui êtes étudiants aujourd'hui dans le domaine d'éthique, à vous cultiver, surtout l'éloquence, parce que ça va aussi vous permettre à vous distinguer dans le milieu du travail. Sur ce, nous vous disons véritablement grand merci, surtout grand merci aux organisateurs, parce que c'est un événement très important pour la jeunesse ivoirienne, pour l'école ivoirienne, et bonne continuation, et surtout bon début et bon lancement. Je vous remercie.